Ça, ça commence mal. Bonjour YouTube, bienvenue pour une nouvelle vidéo, découverte de Urx Must Die 3. C'est un grand moment pour Twitch et moi, puisque en fait, dans notre grand arc de découverte de jeux à faire, c'est le dernier jeu, et après, on sera enfin un jour, et en fait, à chaque fois qu'on fera des nouveaux jeux, on pourrait le faire le soir même. C'est très sombre. Ah, merci. Donc, Urx Must Die 3, je ne connais absolument pas de jeu, mais vraiment pas. Il y a des orques, des lézards, des reptiliens. Et puis c'est tout. On peut jouer à la manette. Non, non, attends. Langue anglais et s'écrit en français. Option de recréer. Je. Alors, aide. Son, sous-titrage, oui. Dialogue, oui. Configuration des commandes, le mode scramble, crédit, bon. On va jouer direct. Anciens amis, la campagne principale. En apprenti et en jeu solo. Mais c'est parti. Donc j'ai jamais joué à un jeu. Milian est parti. Personne ne sait où il est. Il a quitté l'ordre. Il m'a laissé, moi, avec ses enfants. Né avec la capacité d'utiliser la magie. Sa puissance. Kelsey était la novice la plus studieuse de l'ordre. Mais elle manquait de contrôle. Je devais tester leurs capacités. Un véritable ogre vous aurait déjà dévoré. Pardon, sorcière. Croyez-moi, vous auriez préféré ce destin. Tu penses qu'il va revenir? Waouh, tu peux vraiment pas dire des trucs intelligents. Venez, la récré est terminée. Ou un héros. Qu'est-ce que c'est, la novice la plus studieuse? Arme principale, le tromblon de Max. Capacité de déplacement spécial, lévitation. Dès que la capacité d'utiliser la magie des failles, Gan ne connaissait pas sa puissance. Arc long magique. Ouais, bah non, on va prendre Kessler alors. Alors, les objets qui réussissent à franchir les failles font baisser les points de faille. S'ils tombent à zéro, vous perdez. Dépensez vos pièces, changez de pièce et d'arme. L'aide, oui. Et ça, j'avais lu. Changer de pièce et d'armes. Et oh, tu viens de me le montrer. Pose de piège et critique. Sélectionnez les pièces que vous posez. Regardez une surface et posez. Les héros ont des capacités de déplacement secondaires. Appuyez deux fois sur le bouton de saut. Les armes ont des capacités secondaires. Les armes secondaires utilisent la mana. Ok. Ce n'est assurément pas une faille de l'ordre. Ouais, j'aimerais vous dire que je le savais, mais... En donc B, choisissez vos défenses. Cette faille est différente. Bon, allez, hein. On prend tout ça. Ça. Comment l'entendre alors qu'on peut pas la voir? La télépathie, gros malin. Bon. J'ai lâché la horde. Sur le terrain. Alors, attends, juste me passer en ZQSD. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. On les sent y aller. Ils arrivent. Yay! On a quoi? On a 4100 mes couilles de points. Il n'y a pas un meilleur endroit. Ça ira. Plus qu'un jour avant la retraite. Comme dans le manuel. Les ennemis sont à la faille. J'ai jamais été aussi heureuse. Prête comme toujours.
Ils sont là. Préparez-vous. Je préfère ça à un arc, hein, quand même. La magie. Attends, hop. Bah alors, putain, couper la tête et tout, ça. Je vais pas dire c'est violent, mais c'est pas mal quand même. Eh, c'est Tipar Balthazar. Des pièges absolument partout. Or que moyen, super. Hop, et plus de tête. 3 headshots de suite. Ils ne verront jamais ça. J'ai plus de sous. C'est vrai qu'ils sont un peu plus nombreux, tiens. Eh ben, let's go. Première vague tranquille, assassin. Victoire! Yay! Améliorer. Non. Le tromblon, on peut l'améliorer. Bricoleur, mais t'inquiète, mon petit pod. C'est bon, allez, on peut continuer. Alors. Waouh, la sorcière nous plonge vraiment dans le grand bain. Ouais, c'est beaucoup plus intense que les sessions d'entraînement habituelles. Ce n'est pas un entraînement. Il y a un truc différent dans ces nouvelles failles. Tous les mages de guerre de l'ordre enquêtent. Enfin, il faut qu'on devienne de vrais héros comme Maximilian. Ça me suffira que vous restiez en vie tous les deux. Ah, c'est là. Teniez les orques à distance. Lâchez la horde. Eh, c'est Tipar Balthazar. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. Ils arrivent. Ouais, franchement, le truc au plafond, bon, je sais pas si c'est vraiment worse. Hein. Ça m'a pas l'air ouf. Je préfère plutôt celui au sol. Fait des bons dégâts de gratte. Ouais, il est fun le jeu. Franchement. Merde, ils sont là-bas. Heureusement que j'ai vu à. Comment ? Heureusement que je l'ai vu à la map. En fait, c'est un peu comme si Fortnite avait été vraiment un jeu où t'avais des vagues d'ennemis comme ça. Au niveau du graphisme et de la fonction de piège, juste comme ça. Ça me fait beaucoup penser. C'est ça dont je parle. Il y en a un machin. C'est quoi ça?
Ah, ok, c'est parce que ce sont des. Ok, donc apparemment ça viendrait des deux côtés. Chez la Horde. Ils viennent plutôt vers la droite. Je vais quand même surveiller la map, voir s'ils arrivent de gauche. S'ils viennent de gauche, on s'en occupera. Ouais. On va bouger à... dans pas si longtemps. Enfin, là, je devrais déjà. J'enchaîne les headshots sans aucun problème, quoi. Ça ne veut plus rien dire. La vague de droite, elle est déjà terminée. Là, je crois qu'ils n'étaient pas de niquer les orbes. Je crois qu'ils, en fait, ce qu'ils essaient de niquer, c'est moi direct. Hein. Ce qui a du sens, hein. Je dis pas le contraire, mais. On fout de partout. Regardez bien. Hein. Hop, hop. Et là, s'il passe, je mange mon chapeau. Wouhou! Merde! Je fais quoi, moi, maintenant? Ah non, j'ai cru que j'avais perdu. J'ai l'air, attends. Oh putain, le moment de semi-panique. Si on les nique par deux, franchement. Hop. Voilà. Et à gauche maintenant. C'est dommage parce que du coup mes pièges ici ils ont même pas servi. Ça dommage en vrai. On peut y retourner. Désolé. Ça ira. Voilà, et on en remet. Et on les blinde, mesdames et messieurs. Nous les blindons. Hein? Ah non. Je crois que ça fait 50 minutes que je joue au jeu. Non, mais attends. Le temps passe si vite qu'on s'amuse. Ou headshot. Ça arrive à gauche, hein, faire gaffe. En fait, je fais surtout gaffe à... Quand est-ce qu'ils vont arriver à peu près? Ouais, genre lui là. Faire gaffe à ce qu'il passe pas le milieu. Là, je commence à me replier parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Ouais, toi, je t'ai vu. Okay. Il y en a qui sont bloqués, je comprends pas. Ah d'accord, je comprends mieux. Et voilà. Elle fait des dabs. Ah bien. Grave stylé. Améliorer. Et bon, on a continué d'améliorer. Voilà, je m'améliore également. Ça. Je peux peut-être m'améliorer quoi? Piège à pieu? Non, je peux pas. Ça alors, le mur, je peux pas non plus. Mettez, je peux pas. La mare de mes couilles. Je peux pas. Bah, je peux rien améliorer quoi. On continue. GG, bah merci, hein. Littéralement, jeu gratuit. Comment ça, Arminouche? Alors. On va se mettre des pieds joues. En vrai, je pense que je vais continuer ma petite strat. Hein. Entrée sud. Cela ne voudrait-il pas dire qu'il y a une entrée au nord et au sud. L'ancien est maître Cygnus, s'il est encore en vie. Mais pourquoi maître Cygnus ouvrirait-il? S'ils viennent que de là, alors on va pouvoir en profiter pour mettre des pièges que là. Les
Jedi fournissent de la magie, mais cette magie n'est pas une force positive. Tenez les orques. Allez, les gars. Je dois aller chercher des réponses. C'est un peu jouissif comme jeu quand même. Tu niques des vagues d'ennemis, t'arrives en dessus. Ouais, c'est plutôt sympa. La porte est détruite. Là, tu tires dans le tas. Tes pièges y font tri. C'est vrai qu'il y en a un peu plus quand même des ennemis, j'ai l'impression. Hein. Bon, les pièges y font vraiment le taf. Quoi cette potion rouge là? Cette potion de santé? Alors, il continue toujours de venir par là. Donc en vrai, ce que je suis en train de me dire, c'est que ce qu'on pourrait faire, ce serait d'améliorer encore ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'ennemis. Donc, améliorer, voilà, ici. On peut lâcher l'or direct. Là, ça devrait faire encore plus de tri. Allez. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? On a juste des rats en fait. J'adore comment vraiment. Je bouge pas, je suis avec mon gun. On s'abuse quoi. Double headshot. Donc voilà quoi, franchement. Ah, maintenant, cette entrée là, elle est fermée. Mais l'entrée là-bas, elle est ouverte. C'est une entrée qui passe comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre ça comme ça. On va se faire avec que des pics. Des piques et des brocs. Ouais, c'est parti. Ouais, je peux sauter en arrière dans le pire des cas. Nos ennemis font une percée ailleurs. Allez. Attention, nos ennemis ont à nouveau fait une percée. Vu que je suis... En fait, techniquement, ils considèrent que je suis en train de voler, donc les ennemis comprennent pas ce qui leur arrive dessus là. Attends, on rencontre que ce cul. je l'ai vu arriver, je me dis, mais attends. T'en as plein. Avec les deux côtés, ça va être chiant par contre. Hein. Parce que tu peux. Il n'y a pas vraiment de coin qui les rejoint à part l'espèce d'angle droit qui est caché par ma caméra. J'ai une map derrière ma caméra. Une autre victoire attendue. Oh, tu dis la même strat, hein. On a 2900, on va en profiter. Ok. Et on va se remettre un pour le rab. Ils ne verront jamais ça. Hein? Pourquoi les deux sont en rouge? Ah d'accord, les deux sont en rouge. Parce que des ennemis sont les deux, c'est ça? J'espère pas. Bon, il y en a qu'à droite. On fait des x4 et tout, génial. Ouais, il y en a à droite, enfin à gauche. Il y a un rat qui est en train de speedrun. Mais ils sont tous morts à gauche de toute façon. Enfin à droite. Ils sont tous en train de mourir avec mes pièges quoi. Ça, ce coin-là, il est terminé. Il faut que je me dépêche. Ils sont là.
Hop. Et bah voilà. Wouhou. On est à 3000 et quelques. En vrai, ce que je vais faire, c'est faire le passage de la mort. En vrai, on va juste faire le passage de la mort et rien de plus. Voilà, si tu veux essayer de choper le cristal de mes couilles, là, tu vas pas réussir. Et ça commence par là. Pour l'instant, il n'y a rien à droite. Ah, ça commence à arriver un peu à droite. On va terminer ces deux-là et on y va. Ok. Meurs. Ça arrive de nouveau à gauche. Ok. Ah, ça arrive bien, bien, bien. Hein. Espèce de rat dégueulasse. Hein. Bon, il y a deux ennemis à gauche. Je pense que je pourrais me déplacer. Ouais, c'est bon. Bon, bah, nickel, ils sont faits tout seuls. Ah, trop bien. Oh, le jeu, il est marrant. Il est marrant. Bon, après, ça manque un peu d'histoire dans cette campagne d'histoire. Mais bon, quoi. On a 16 crânes, je continue d'améliorer mon... Non, je peux pas. On va bagnole de soins, ça, piège à pieux. Non, bon, on peut continuer. Hein. On se fait une petite der, et s'il n'y a pas d'histoire, ouais, il n'y a pas d'histoire, malheureusement. Alors, tu penses que la sorcière va bientôt revenir ? Nous nous débrouillons très bien. Merde ! Eh Kelsey, comment se fait-il Et je te dis tout le temps, Egan. J'aime connaître toutes les réponses. Alors explique-moi pourquoi la colle ne colle pas à l'intérieur du tube. Ils ont fait une percée via une porte. Ils arrivent. Ah, vous venez de me tirer dessus là. Effectivement. Des archers orques. Ils ont des attaques à portée assez longues. Ouais, je me souviens des simulations. Vous allez tous mourir les gars. Spoiler. Clac. Mais c'était bien quand c'est moi qui pouvais tirer à distance et pas eux. Là, roulons un peu là. Bon, on va les ennemis cliquent de nouveau là. Là maintenant les ennemis viendront de là. Donc en vrai on peut faire totalement la même tactique. Parce qu'en vrai... C'est vrai que j'ai pas pensé en fait que le cristal il est là donc en vrai. Il y a un sacré bout de chemin avant d'y arriver encore. Les ennemis attaquent sur un autre front. Ils font une percée par une autre porte. Hop. Allez, vas-y. Show me what kind of bitch you are. Bam. Tu vas où? Yay! Yeah, ils vont venir des deux côtés. Bah en vrai, on va en profiter. On va foutre des pièges au sol. Mais direction... direction là, quoi. Profitons-en, hein. On va mettre de ce côté-là pour la science. Ah oui, c'est un piège de sol. J'essaie de me foutre au milieu.
Ça, c'est pas le milieu. Ah, ils essaient pas du tout d'aller vers moi, ils essaient d'aller là-bas. Ah! Putain, je les cherchais, mais ils sont où? Moi, ce qui me bute, c'est que c'est censé être une guerre entre les humains et les orques. Mais les orques, ils se disent pas, mais attends, mais ça ressemble quand même vachement à des pièges où mes potes, ils sont morts. J'admire leur persévérance, mais ça devient idiot, là. Ok. Ouais. Bam! C'est du tir au pigeon à ce niveau-là. Hein. Alors, je dis pas que le tir au pigeon c'est pas fun, hein. Je dis juste que bon. Dis donc, il y a plus fun que des combats où le mec en face peut pas se défendre, quoi. Genre là, ils vont forcément passer devant moi. C'est quand même un peu dommage. Alors maintenant, on va mettre des pièges au mur au niveau de l'arrivée. Comme ça. L'autre côté également. Voilà, ça fera déjà un premier tri. On pourra encore en mettre deux qu'on va mettre vers la fin du parcours. Ah bah je peux. Bah si on peut là. Voilà. Lâchez l'ordre. Wouhou! Plus d'ennemis arrivent. Allez, c'est parti. D'accord. Bam. J'avoue que ça fait un carnage là dans les troupes orques. Clac. Oh, des souris. Mick Mouse. Là tu fais comment pour essayer de me niquer là, hein? Allez hop. Où, toi? Ouais, c'est comme ça, c'est assez good. Je vais les intercepter par là. Oh putain! Bam! 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 Reste là, toi! Ils sont tous idiots. Bon. On a 4000, ce qu'on va faire c'est... Bon, en fait j'ai juste essayé de tablier ce pont là que j'ai pas... On a rien mis dessus. Avec en plus des petites... hein, pour le sport évidemment. Hein. Pour le plaisir, hein, juste le plaisir. Et on commence par là. Clac. Clac, 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 clac. Bah alors, tu m'as loupé. Wouhou. Ah, j'en ai des sueurs. Scout, j'ai pas eu. Ah, encore un. Ça fait plaisir. On passe de l'autre côté. Salut Grippe Invert, bonjour petit raid. Ah bah merci, j'ai même pas vu. Ah merde. J'étais trop concentré dans le jeu. Et hop, je suis de façon de fleurs. Comment ça va ici? Ça super. Il est bien ce jeu. Bah en vrai, merde. Pour un jeu gratuit épique avec 4 quests 2, on l'a testé juste avant. En vrai, vraiment très sympa. Après moi je suis plus jeu à histoire. Donc forcément c'est pas trop mon délire. C'est par là. J'ai une map derrière ma caméra hein, pour ceux qui se poseraient la question. Donc ouais, franchement c'est plutôt sympa en vrai pour des jeux gratuits, c'est même très très bien. Epic nous a déjà donné des jeux franchement moins fun, j'ai envie de dire. Par exemple, bah même si tu compares au... Genre, c'était quoi? C'était Industria et Lisa, les jeux de la semaine dernière.
Voilà, je trouve ça plus sympa. Moi, je suis un... Bien tout ce qui est jeu indépendant, donc. Ritsu, le clown cabriolant. Ouais. Vous avez des pseudos, les gars? Vous jouez à quoi? Je pense pas que vous jouiez à Orcs Must Die 3. Hein. Les Orcs Must Die sont bien appréciés. Ah ouais? Je connaissais pas du tout. Il y en a 3, c'est que ça doit être plutôt bien sympa, je pense. Mais en vrai, ouais, c'est du bon jeu auquel tu... T'as des pulsions de vouloir désinguer un truc. Ça marche bien. Hein. Dernière vague. Et après, je pense que j'arrêterai à découvrir du jeu. En vrai, ouais, pour se commencer... Je pense si jamais on s'ennuie là. Hein. Plutôt Fallout 4 en ce moment, je compte mon nouveau PC. Oh! Cool ça. Avec les nouvelles mages. Il paraît que la mage de Fallout 4 est détestée. En fait, le truc, c'est que Fallout, c'est comme Skyrim. J'adorais y jouer. Mais c'est tellement long. Et tellement. Pas compliqué à jouer, mais c'est tellement. En fait, c'est tellement du RPG qui me fait peur. Que j'adorerais y jouer. Mais je me dis putain si j'y joue, ou alors je sors plus de chez moi pendant 2 semaines. Ou alors ça me dégoûte du RPG. Là, dans ce sens là me fait peur. Alors attends, il y en a un qui est pas trop loin de l'orbe de... Oh, il est mort. J'adore. Je suis en train de leur courir après. La mage sur PC casse pas mal de modes pour le moment et je trouve le jeu tourne bien, je trouve. Ah ouais? J'avoue que j'ai rien suivi. Je connais viteuf le monde de Fallout. Parce qu'il y avait une très bonne vidéo sur, je crois que c'était Alteris, je crois. Ou c'était Epic Teaching of History, je sais plus, qui avait fait une vidéo sur le monde de Fallout. Ending Out, il est sorti aujourd'hui. Très bon jeu, ça. Enfin, il avait l'air très bien, en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur Steam. Mais il était à 17 €, je crois. Ça, je me tâte à le prendre. Parce qu'il est bien. Ouais, j'avais suivi le jeu. Enfin, suivi le jeu. Je fais partie d'une communauté de streamers, la pépinière. Et du coup, dedans, il y a également donc le. Comment je sais que ça a un nom. Mais en gros, dans le salon, on a à chaque fois qu'il y a un nouvel article PC Gamer, en fait, il s'affiche sur le serveur. Et du coup, je regarde un petit peu. Et il y avait une info sur Reading Out. Je pense que ça devait être sur les jeux qui sortaient pendant le mois de mai. Vous savez, je suis pépite, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Ah bah voilà. Comme quoi. Merci beaucoup pour follow. C'est grave cool. Mais ouais, franchement, Eddingham, ça a l'air vraiment sympa. T'en penses quoi, Grippin Vert? Je vais finir. On va terminer du coup le jeu de la vidéo pour YouTube. On a à peu près une petite demi-heure, je trouve ça pas mal. Voilà, t'es puni, je te suivrai dans la rue. Mon côté être humain me donne pas envie. Mon côté streamer, ça me fait plaisir. Non, mais en vrai, blague à part, merci beaucoup pour follow. Merci beaucoup également Gripsou, le clown cabriolant. Même Grippe en vert, peut-être vous avez des pseudos. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de pseudo. Des fois, t'en avais vraiment marrant. Et tu flotteras comme les autres. Voilà. On flotte tous en bas. J'avais fait la blague il y a pas longtemps, c'était sur God Simulator. Il y avait une blague, j'avais fait la blague avec dans les égouts dans God City Bay. Si vous connaissez God Simulator, excellent jeu. Bon, en tout cas, voilà. On va terminer la vidéo. Voilà, comme ça, on termine la vidéo car j'ai même pas fait gaffe. Mais je pense que c'est parce que j'ai le son du jeu qui est. Enfin, le son de mon PC qui est très très peu fort. Sinon, on entend dans le retour. Donc, je l'ai assez fort pour entendre le son du jeu, mais. J'ai pas dû entendre. Attendez, on va se faire plaisir. On va se faire très très plaisir. Tac. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Tac. Avec le son du jeu en plus. Hein. Voilà. Là, comme ça, on entend bien. Ouais, parce que sinon, ça fout des... En fait, le truc, c'est que vous entendez le jeu dans le micro. Ça fait un putain d'écho dégueulasse. J'aime pas du tout. Mais voilà, YouTube, j'espère quand même que ça t'a plu. Voilà, on termine la vidéo avec un raid. En vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'histoire. Pour la science, si on continue, il y a de l'histoire ou pas? Non, ouais, bon, je trouve ça un peu... C'est exactement ce que je redoutais.
Nous n'avons pas affaire à quelque chose de nouveau, mais à une chose très ancienne. Oh, salut! Déjà de retour? On a tué des orques et tout ça. Rien d'extraordinaire. La routine. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces failles étranges? D'abord, arrêtez le prochain assaut. Ensuite, je vous raconterai l'histoire. Mais du coup, le problème, c'est que vu que je suis concentré en train de setup ma map, je n'ai rien suivi de l'histoire. Ça fait beaucoup de découvertes de suite où j'ai rien suivi quand même. Mais bon, bah, désolé, YouTube. Hein. Voilà. Gros bisous.